Hello Africa, je sais que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais super, 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 super bien. Alors aujourd'hui, je vais me refaire mes cheveux, je vais fixer mes locks, aussi changer de couleur. J'espère que ça serait super joli et que vous allez aimer. En tout cas, moi j'ai hâte déjà de voir ma transformation. Donc on se dit à tout à l'heure pour mon vlog. Bisous! J'ai pris un tas de Yaya Scoopy. Yaya. Donc nous sommes là, c'est Afi qui a assisté, qui a filmé avec moi cette transformation. Parce que je veux pas que le coiffeur me gifle, parce que je serai pas tranquille. Je veux pas qu'il me gifle. Donc Afi sera là pour filmer et tout. Et voilà, vous allez voir à quoi je vais ressembler après. De toute façon, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez actuellement. Rien, rien, rien. Ça y est, transformation générale et totale, quoi. Moi-même, I will be shocked. Mes parents, en tout cas, ils ne seront pas prêts. Même vous-même, vous n'êtes pas prêts. Ce que je veux fabriquer là, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, vous verrez à la fin de la vidéo ce que ça va donner. Je vais faire fixer mes locks parce que j'ai beaucoup de racines. Là, vous pouvez voir. Déjà, pour que vous sachiez que c'est moi-même, j'ai commencé mes débuts de locks avec des twists. J'ai fait mes twists et voilà. Je les ai laissés 2 ou 3 mois. J'ai fait mes débuts de twists avant. 3 mois, non? 4 mois depuis le confinement. Depuis le confinement, oui. 4 mois alors. Donc, j'ai fait mes twists depuis le confinement, le début du confinement, c'est-à-dire en mars. Donc, ça fait 4 mois maintenant. Et voilà, le résultat n'est pas si mal. Mais quand même, maintenant, j'ai envie d'avoir une touche plus professionnelle. Une touche de coiffeur et tout pour voir à quoi ça va ressembler de vrais locks quoi au foyer. Donc j'ai hâte et je vais profiter pour changer la couleur, c'est à dire que je change toute la couleur, il n'y a rien, tout ça là, ça n'existera plus, c'est pati pati oh pati pati. Là c'est fait tout ça et puis le coiffeur dégo séché. Ah, tu vas raser la tête, tu la montes, ça c'est le changement là. Imaginez que je dis tout ça et puis une fois chez le coiffeur, je n'ai pas les moyens, c'est-à-dire me sort un prix que je ne peux pas gérer. En tout cas, pas maintenant. Je fais comment? Vidéo là, je vais annuler ça. Je vais annuler. En tout cas, on prend le risque, n'est-ce pas? Tu pourras présenter ma tête à sa place. Bon, ok, d'accord. Donc, si moi ça ne passe pas, si c'est trop cher pour moi, Yasmine, tu vois. Et je vais vous présenter sa tête à elle plutôt. Donc si vous voyez Asmi, sachez que c'est ça quoi. Moi j'ai pas pu avoir le calice qu'il fallait pour pouvoir changer ma tête. Et c'est elle qui fera l'affaire finalement. C'est elle qui maîtrise chez le coiffeur. C'est elle qui m'amène. C'est ici. C'est là. Bonjour. Du coup, là, je suis déjà chez le coiffeur. Donc, là, il est occupé. On attend. On attend qu'il nous prenne en charge et nous sortit la facture. Fais des émissions pour nous. Je suis pas chez des potes. Avant qu'ils viennent me dire si c'est possible pour les locks et tout, nous allons voir les couleurs pour la teinte. Ça commence là, c'est ça? Mmh. Hein? Ouais, c'est pour ça. Tu peux faire tout ça. Il est bon, hein, le catalogue là. Il y a beaucoup de couleurs. Tout ça, c'est des couleurs. C'est des couleurs, il peut faire tout ça. Regardez bien ça. Regardez bien. Ça peut ne pas être possible, c'est ça? Non, pas dedans. Ah oui. Mais tu sais, même si pour les locks, ça va être compliqué, je peux faire juste ça. Oui.
Moi, je veux ça, 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 ça. Tu veux faire les deux? Non, je ne sais pas ce que je veux faire encore. Je pas sur un blog. Je me retrouve à enlever tout ce que j'avais comme twist là, parce que pour que les locks soient jolies et uniformes, il faut que la base soit uniforme également. Or, les twists que j'avais faites n'étaient pas uniformes en matière d'épaisseur et de largeur. Donc, je dois tout recommencer. Là, déjà, vous voyez, on est en train de tout enlever pour repartir à zéro carrément. C'est vrai que j'avoue, à un moment j'ai été découragée, j'ai même eu envie de tout coiffer, de me raser la tête à nouveau et laisser tomber. Mais bon, on dit les dreads c'est la patience. Faut être super patient pour faire les dreads, c'est un signe de patience et tout. Donc ça commence là déjà. Je vais tenir jusqu'à la fin. C'est pas grave, c'est vrai, actuellement ça me fait très mal le fait qu'on enlève tout ça encore, ça me fait très mal parce qu'il y en a qui se formaient déjà petit petit, mais là c'est gâteux. Tu as mieux de quoi le chercher. C'est pas ça? Ah bon, tu as. En fait, ça va quitter cette vidéo là comme ça. Là, ça me fait le là. Welcome to my channel. Les seins sont où? Hein? Les seins sont où? Les hommes sont où? Je ne vais pas vous cacher que ça brûle, ça me brûle de dingue, ça me brûle de ouf. J'ai chaud, j'ai tellement chaud. Mais je vais supporter parce que je sais que le résultat final sera chic. En tout cas, j'espère. Ça brûle. Il y a la clim, hein? Il y a la clim, pourtant j'ai chaud.
Bon, bon, voilà ce que ça donne la première couche. C'est évidemment pas la couleur que je veux, mais c'est quand même le début pour y arriver. Le coiffeur, il me fait comprendre tout pour que la couleur blanche que je voulais faire à la base vienne complètement. Il faut que je fasse plusieurs couches. Donc je vais revenir peut-être dans une semaine pour faire une autre couche et ainsi de suite quoi. Déjà mes cheveux sont fragilisés, ça se casse. Vous voyez, donc faut que je patiente et avec le temps j'aurai la couleur que je veux. Voilà ma tête, voilà ce que ça donne. Vous kiffez, non? Moi, je suis fan. Je suis fan. Alors, donc voilà, j'espère que vous aimez ma tête parce que moi, j'adore. La couleur, elle est juste parfaite et les notes sont bien faites, bien cadrées. Oui, je vais faire le blanc. Je vais aller au blanc, mais pour le moment, je kiffe ça d'abord. Je vais aller au blanc, tout blanc après, mais pour le moment, quand même. J'aime bien le côté dégradé, là, tu vois. C'est vrai que je ressemble à Son Goku, que j'avais pas encore les locks, mais là, je ne ressemble pas à Son Goku. Hein. Alors, je sais que vous avez aimé, laissez-moi en commentaire, dites-moi tout ce que vous en pensez, si je ressemble à Son Goku, si je ressemble à, je sais pas, à n'importe quoi, ou si je suis tout simplement chic, comme je le pense moi-même. Et moi, déjà, je suis sûre que ma maman va me renier, elle me fera plein d'histoires, c'est sûr. Mais, I'm YouTuber, you know. Elle va m'engager, non? Dites-moi si vous pouvez oser faire une telle couleur. En tout cas, moi, j'adore les teintes. J'adore. C'est vrai que c'est pas une chose qui est bien vue dans le milieu où je suis, mais moi, j'adore tout simplement. Je suis préparée à entendre et encaisser tout ce que les gens diront. Ah oui, je suis préparée. Et ce n'est que le début en plus, hein, parce qu'il y aura plein de couleurs. D'ailleurs, même, on aura carrément... je sais pas, une boutique uniquement teinte couleur dégradée. On va s'amuser avec les couleurs et tout. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas, hein, tant pis. Hein. Donc les gars, les go, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous.
Abonnez-vous, sister, brother, c'est cadeau. Abonne-toi, c'est gratuit. À bientôt. Gros bisous.